Pour ceux qui viennent de joindre à nous, bienvenue à Doc Babylon 69.3 FM. J'aimerais rappeler aux gens le thème d'aujourd'hui. Un, le système et ses problèmes. Deux, ma génération et sa haine. Mais pour reprendre là où on avait laissé, j'aimerais dire que le stéréotype type du type rappeur à travers l'univers est qu'il est. Peu importe qui il est, c'est un fait. Mais voilà, moi, j'aime mieux propager des idées de paix et d'éducation que propager des idées de crime et destruction, comme certains cons font. J'étais pauvre avant mon disque, puis je m'en fous d'être pauvre après mon disque. C'est pour ça que je prends des risques. Je sais que je suis pas comme la biatch d'Elvis. Je vends bien moins de disques, mais au moins j'en vends. Pas comme d'autres MC de dans le temps qui disaient que leur disque allait sortir dans peu de temps, puis qui ferait plein d'argent. Il y a trop de grandes gueules qui parlent tout le temps. Mais ce qu'ils disent, qui dans le vent, comme un cerf-volant dans les mains d'un enfant de 5 ans. Parce qu'ils ne servent pas de leur talent pour éduquer les gens. Ils préfèrent mettre leur énergie dans la crime et la destruction que dans la parole du Tout-Puissant. C'est pourquoi leur disque n'existera jamais et le mien sera le moule à tout jamais. Que mon peuple vive en paix. Bon, mais maintenant, écoutons « Ta gueule, vis ta vie et reste en vie » de Casey et Romanopi. Et pour le tirage du 9 mm chromé composé de 443-25-33. 443-25-33. Peace. Avant de commencer, je veux dire peace aux filles et aux partenaires en centre d'accueil. Foyer d'accueil, maison d'accueil. Puis en détention incarcérale, prison. Get, man, n'importe quoi. J'espère qu'aujourd'hui la journée a pas été trop longue. Si oui, ben monte le son. Peace, je pense à vous autres. Puis j'oublie pas qui est qui, puis qui fait quoi et pourquoi. C'est comme ça, qui sied à Manopi est là, toujours. Comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe. Mon esprit surplombe, plonge, éponge. Avec on des souvenirs de guerre au goût amer. Au résultat fatal, l'équipe Pierre Tombal. Peace à Montréal, mon coup en détention incarcérale. Rien a changé, je suis toujours aussi malade. Mais aujourd'hui je me sens mal d'avoir fait autant de mal. Mais man, c'est tellement dur quand t'es latinos, métis ou noir. La société te fait sentir tellement mal, t'as mal. Puis tu fais mal, catastrophe pas normal. Bientôt on va porter des vestes anti-balles. Mais j'aurais aimé avoir une vie banale normale. Une bonne job, un bon salaire, une souffleuse pour l'hiver. Une grande maison rectangulaire avec un toit solaire qui filtre les rayons, qui éclaire la terre. Puis qui réchauffe ma piscine hors terre équipée d'une toile solaire. À place, je me suis battu contre des fans d'Hitler. J'ai eu un casier judiciaire, puis mon cœur a déjà fait neuf. Ga, 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 ga. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. J'avais un ami qui se prenait pour un caïd. À moitié lucide, à moitié sur l'acide. Il se battait pour rien, sortait jamais sans âme. Toujours prêt, frais, jamais calme. Si tu faisais un mauvais pas, oh, il sortait son gun. Je l'ai vu sortir son magnum minimum 5 fois. Chaque fois, il se tournait pour le roi. Aïe aïe aïe, ok, si check ça. Aïe aïe aïe, check le gars qu'on rit. Mais un jour, blah, sans comment ni pourquoi, il est mort, 3 balles sans froid. Aujourd'hui, dis-moi, Thunder, qui est le roi, hein? Ta mère pleure, ton père se meurt. Toi t'es mort, fini, parti. Pis ta blonde t'aime encore. Dis-moi, ça valait-tu la peine de vivre avec autant de haine? As-tu des remords, Thunder, maintenant que t'es mort? Ta gueule, pis ta vie, pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Parfois, soir à l'école de regard, vêtu de noir, je m'en regarde à miroir. Je pense à ceux qui sont morts, ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort. Ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient forts. Ceux qui ont flash avec un bang bang. Ceux qui se sont hang damn peace. José, Jason, Cliff and Sam. Pis peace à leur dame, leur famille et leur âme. Pis parfois, je pense que ça aurait pu être moi. Pourquoi pas, c'est moi qui avais la grande gueule. Pis qui parlait tout le temps fort. Mais bon, j'suis pas encore mort. J'suis ici parmi mes amis, mes ennemis. Pis j'en ris pas, parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre ce genre de vie. Fait que si t'es pas prête à mourir aujourd'hui, change ton mode de vie. Parce que tôt ou tard, pow! Quelqu'un va prendre ta vie. Fait que ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Yeah. Ça a rien tout gangster, man. Tôt ou tard, quelqu'un qui va te blaster, man. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec les chests ouverts, man? Hein? Tu vas être mort, man. Hein? La famille va s'ennuyer. Well, yeah. Ta gueule, man. You know what I'm saying? Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Du sujet ta gueule. Autour, c'est Doc Babylon 69.3 FM.
Pouvez-vous croire qu'il y en a qui ont signé une pétition pour canceller mon émission? Non, man. OK, on dit pas sans nom, c'est vrai. Non, mais pour le vrai, ils réalisent pas que c'est pas si facile que ça d'avoir un show ou de faire un disque. Check bien, man. Tous ceux autour de toi qui disent qu'ils savent animer ou qu'ils savent rapper, ces gens-là, il y en aurait tous un disque ou une émission, si jamais ça serait si facile que ça. C'est dur, le show business. C'est très, très dur. Mais anyway. Je sais pas vraiment comment leur expliquer que ces gens-là, dans le fond, c'est juste des jaloux et puis qu'ils réalisent pas le travail d'un travailleur. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Ils restent chez eux puis attendent leur chèque de BS et puis ils ont rien d'autre à faire parce qu'ils sont pas à faire face à la réalité. On devrait changer nos priorités puis se mettre à respecter les gens qui travaillent de 9 à 5 ou de 5 à 9, mais les gens qui travaillent puis qui ont de vrais jobs que ceux qui sont à la gueule puis qui font jamais rien. Fait que pour l'instant, ben, pour ceux qui continuent à dire qu'ils rappent et qu'ils font des affaires, ben, tant que vous n'avez pas de 10, tant que vous ne faites rien, vous êtes des poulons. Et puis, arrêtez de faire à la gueule, quoi. Et nous, on va recommencer avec un autre jam de KC, parce que il est temps que je parte, que j'ai relaxé, il est un peu tard. Et puis, il y a une dame dans le studio. Fait que là, ça va être à la 69.3. Non-stop, ça me touche. Cherche à relaxer, chill, mais t'as je viens d'apprendre en tant que ma banque veut plus attendre, faut que je paye mes comptes. J'suis con, fais mes soldes. J'ai pas assez pour payer, j'suis encore plus stressé, faut joindre ma gold. No go, à plage, pogne une conne blonde. La main on the road, j'fais du cash, no joke, j'suis broke. Mets les copes, ma check, mets mon fond sur tes deck, cop, pa. J'm'ennuie du temps où j'vendais du chocolat. Au moins y'avait pas de stress dans ce temps-là. Pas de monde était relax, y'avait moins de taxes. Tout était raw. Beau comme Salima, Dalila, Rima, Mina, Nadia, Tamira, etc. Mais non, direct, dans ce temps-là, le stress n'existait pas. Mais c'est plus le cas maintenant. Mais il est ben trop stressant. Le stress me mange comme une pioche. Stress me mange comme une pioche. Le stress me mange comme une pioche. Le stress me mange comme une pioche. Le stress me mange comme une pioche. Stress me mange comme une pioche. Le stress me mange comme une pioche. Le stress me mange comme une pioche. Aujourd'hui, stress t'as pas une jeune. Les réalités sont pas bonnes, la jeunesse sont des guns. Babylone joue à mob, la TV change trop les modes, l'agent transnob. Bon, bon, trop de jeunes sont victimes de la gangster mode. Se prennent pour Capone, t'sais. Bon, tu as wrong. J't'écœuré, burn out, no doubt, but I keep looking up. Fight cash, blast. Là, j'écris mon album en français, stressé comme jamais. Yo, chill, s'il vous plaît. J'fais plus de cash que jamais. Et même si j'flex le bicep, c'est fou, c'est stress, stress, stress. Malgré l'argent, c'est sûr, renant. Mais tes coups, rageant, enrageant. Comme un sergent dans ton appartement qui vole ton argent. Hey, en passant. Pis la Sûreté du Québec va buster la police de Chambly. S. Prix que j'ai ri. Le stress me mange comme une biatch. 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 Le fait que je sois stressé, stresse le monde dans mon cercle. On me dit qu'un stressé qui sait qu'il est stressé est moins stressé qu'un stressé qui sait pas qu'il est stressé. Hein? Mais pourtant j'en vois encore. Chut! La dame avec qui je t'en viens fou. Hey! Fait que chill avec tes pensées. Calme-toi et tu casses avant que je te fracasse la face. Bon, il est temps que je m'efface, fait Claude. Paye le refrain que j'ai à thérapie. Je finis comme la toune. Stressé comme les cartoons. Irritable comme une balloon. Bozo comme un clown. Hey, crook! Où c'est mis mes gogoons? J'ai envie de faire le goon. See you soon. Part 2 is coming near you. Avec Casey Edelman, no beat in the world. Une méchante gang de fous. On s'en fout, on est. Hey, 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 Et en passant à Crook, man, quand tu vas te déniaiser, man, quand tu vas faire une vidéo, quelque chose, man, t'as des mad lyrics, wake up, man, sois sérieux, yo. Peace aux deux Crook. Bonjour à Doc Babylone, Doc la Babi, Doc Doc 69.3 FM, avec un extrait d'interview d'hier avec KC à la Manopie. Yo, je m'engueule avec ceux que j'aime pas, ceux que je connais pas, ceux qui m'aiment pas, fait que je veux rien savoir de m'engueuler avec le monde que j'aime. Si jamais pas contente, ben bye, man. Parce que je veux pas m'engueuler avec quelqu'un que j'aime. Ce serait pas normal. Ça ferait ben trop mal. Puis
Puis, attends-moi, man. On est-tu en direct? On est-tu en onde, là? On est en onde. Oh, excusez-nous, mais on est en train de parler de philosophie. On a quelques shout-outs pour vous, d'ailleurs. Peace! À Lyon, lundi, MC Solar, le 501, P.O. de Ball, si, I am, NTM, Rock, Miss Mélage, Jimmy J, Coolock, Lionel, Big Daddy, Big Well, Big Daddy, Carrie, Carrie, Manuel, Asia, c'est Sombly, la famille Tachouche, la famille La Palu, Sima, elle est possible de la capitale, Clignon, pour la Chapelle, Courneuf, Bobigny, Louis Blanc, Pré, Saint-Gervais, Villa, Montreuil, Gambetta, Vincent, Starlise, Divry, d'Italie, Villejuif, d'Orléans, d'ici, Bala, Ponceau, Saint-Cloud, Dauphine, La Défense, Divry, Créteil, Pontin, Bayolet, Clichy, Anières, Gennevilliers, et tout Paris, et la Mars, Marseille. Le numéro à composer pour les shout-outs est le 443-2533, indicatif régional 514, Montréal. Maintenant, on poursuit avec Sois cool avec moi de Casey Adamanopi and the World Cool. Best plat, un texte sans stress, mais fresh pour dire God bless. À ceux qui ont cru en moi, vu en moi, ce qui était en moi, encore une fois, mais cette fois, avec moi, la part de François. Peace à toi, la famille, à toi, c'est comme ça. J'aime aimer ceux qui m'aiment, là, je t'aime comme à ma blonde qui est pas blonde. Qui m'aime quand j'étais la honte des médias, seul en pyjama, pauvre comme un rat, était là pour moi, me baisait, me caressait, me disait, tout allait trop gay, j'étais faite pour la TV. Merci, babe, pour avoir été là pour moi, quand personne croyait en moi, puis pour m'avoir baisé bien comme ça. Oh. J'aimais ça. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai bon avec toi. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai con avec toi. Les vices à mon cou, que malgré que je sois fou, et mes rythmes sont restés cool. Down, true, true. Malgré que j'ai déménagé toute ma vie, mes homies sont mes homies pour la vie. Que ce soit à Los Angeles, London, Montréal, New York ou Paris, ils savent que je les aime comme la vie. Oui, j'ai resté dans plusieurs pays différents. Quoi, c'est surprenant qu'un métis violent, délinquant, et fait le tour du monde, puis qu'il fasse l'argent. Ben c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait le pis? C'est ça, un jeune gars qui fait son argent, puis qui connaît des gens dans une gang de pays différents. Mais pourtant, sans rien crêter, j'aurais aimé toujours avoir habité le même quartier. Anyway, puis aux filles qui veulent me parler, oubliez pas, si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es prêt avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'serai con avec toi. Si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'serai con avec toi. Ah, c'est pas un maçon con, man. Yo, t'as-tu de l'eau quelque chose, man? Ah, t'as juste 7 up. Ça, si tu veux me parler, parle-moi. Approche-moi, je suis pas un roi, je suis moi, François. Un petit gars qui parle un peu russe, patois, créole, chinois, espagnol, anglais, berlin, français, puis québécois, puis qui respecte qui que ce soit, quoi que ce soit. Fait que si tu me vois, dis-moi ton nom, donne-moi la main, fais pas le crétin. M'a te respecté, mais yo, teste pas, j'ai de l'orgueil, m'a te blasté. Là, en public ou en métro, l'orgueil. Seul avec ma clica, porque la vida no una teatro donde. Et mi vida lo tapo tout le temps. Anyway, peace, n'oublie pas, si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'serai con avec toi. Si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, bon, boy, yeah. Pour ce qui est des shoutouts, s'il vous plaît, les gars, relaxez. On a déjà eu des plaintes. Ça doit être doux, chill. Sinon, pour en passant, Peace and Andrew et son crew à St. Petersburg, Russia, Japanese, Miss Melaz en France, Noisemaker, Los Angeles, California, Carnal, Califas, et Abdelaziz, Yassine Salem, et Yamin Robled, qui vient d'en avoir un coup de nouveau. Quelqu'un. Annie, t'es folle, chill de la part de ton pimp. On se reverra au paradis, Dan, de la part de Pasteur. Peace à tous les beaux mâles de Montréal, et oubliez pas, le party dans mon condo de Gucci Toy Boy. Oh, on garde l'esprit ouvert. Et puis, ça tabou disque City Stars for keeping the vibe fresh. Oh, celle-là, on big up 69.3, big up City Stars et tabou disque for keeping the vibe fresh. Eh bien, c'est tout pour les shout-outs pour l'instant. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler. Il y a trop de gens qui appellent. On n'est plus qu'à le suivre. Maintenant, il y a joué un petit peu de musique. On va jouer, c'est la chasse au trésor, mon trésor. Sur Doc Babylon 69.3 FM avec Casey Elamanopi. Allô, c'est Abdul Aziz. Qu'est-ce que tu fais, man?
tu dors, tu travailles, t'enterres, qu'est-ce que tu creuses. Ok, bon, mais je te laisse le trésor. C'est comme un trésor. Si t'as pas besoin d'une map pour l'avoir, c'est pas de l'or. Moi j'aime les trésors enfouis sous la mer qui attendent d'être réouverts. J'aime les filles qu'on voit pas, marque pas, remarque pas. Les filles discrètes, secrètes qui jouent pas à vedette. Cute, pas trouble la fête, qui ont parfois l'air bête, parfois l'air coquette. C'est qui ont de la tête, agissent jamais bête. Aime les fraises, la baisse, maigre ou obèse, grande ou petite. J'aime les femmes, that's it. Mais prends pas panique, si t'es pas magique, unique, excentrique, avec une peau en plastique. Casey Adaman, no beat, un gars de public, y'a besoin d'une fille simple, humble. Avec des défauts, des qualités pour que ça clique, pour que j'applique. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. Écoute, ça sert à rien de chercher le bonheur dans une belle fille. Le bonheur, c'est dans ton cœur. Peu importe la couleur, la grosseur, parce que les belles filles sont pas belles forever. Mais les bonnes filles sont bonnes forever. Yo, une fille, c'est comme un partner forever. Together, peu importe le weather. Ok, ok, je peux pas déceler les belles femmes. Y'en a qui valent la peine, mais d'autres qui causent la peine. Mais c'est partout pareil. Les belles, les laides, rousses, noires, brunes, châtaines, billes. Les hétérosexuels peuvent tous te faire de la peine. C'est à toi de trouver avec laquelle tu vas avoir le moins de séquelles. D'étincelles, le feu d'artifice, fils. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. Puis je connais des fainéants qui veulent d'argent, du matériel, un appartement, de la bouffe. Et plus encore, veulent que la blonde travaille pendant qu'ils chillent chaude. Sors le soir, rentre tard, des bars, pogne d'autres filles. Autrement dit, ils veulent une fille qui la salle de béquille. Fille, chill, sleep, tombé comme une roche. Ton chum, c'est une bioche, viens voir. Tout ce que je demande, c'est que tu sois propre, tu sens bon. Je veux pas ton cash, j'ai les miens, je veux pas d'un appart, j'ai une maison. Ok, c'est vrai que je veux sauter comme une clôture, te clouer comme un clou, visser comme une vis. J'ai le vis dans la peau, je donne une faux. Quoi, pas, on est majeur, pourquoi pas, tu veux pas. Ok, fais tous en pas, je te violerai pas, tu pues d'ici à là-bas. Pis ma queue, rentre pas dans ta poubelle, même si elle est belle. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, mon trésor. C'est la chasse au trésor. Ça te dérange-tu, ça t'a-tu dérangé que le monde t'aimait ou t'appréciait juste à cause de ta popularité, juste à cause de ton nom, Casey Adamanop? Non, ça me dérange pas du tout, c'est moi. C'est pas comme si j'avais gagné à la loterie et que j'étais devenu riche. Casey Adamanop, c'est le nom de mon cerveau, le nom de mon crew, de ce que je pense, de ce que je représente. Si j'étais un chanteur à qui on écrit les paroles, puis à qui on dit quoi dire, quoi faire, puis à qui on montre à chanter comme une bioche, fuck chanter, hein. J'écris ma rage. C'est mes textes, mes paroles, mon stress, mes expériences, mes beats. Casey Adamanop, c'est le nom de mon cerveau, c'est ce que j'ai dans la tête, yo. C'est comme tout le monde a un nom à naissance, puis après ça, ben, ta façon de penser, tu y donnes un nom ou tu y donnes le nom d'une philosophie. Il y en a qui vont dire qu'ils sont telle affaire, d'autres telle affaire. Moi, je suis moi, man, je suis mon 10. Fait que si t'aimes Casey Adamanop, Adamanop, c'est juste un segment de mon cerveau, c'est ce que je pense. C'est le nom de mon crew, c'est le nom de la haine, c'est le nom du stress. C'est le nom de toute la bullshit qui nous rend si fucked up. Je sais pas, man, c'est... Casey, tu penses-tu que t'es le meilleur rapper à Montréal maintenant que ton respect est fait partout aux States? Non, Queen, man, je suis juste un kid qui est écœuré du système, un porte-parole pour la communauté, un soldier, un guerrier, je dirais même un messager, avec un message bien clair. La révolution s'en vient. Mais pour répondre à ta question, non, mais il y a des gars qui sont 100 fois meilleurs que moi. Sauf que les gars, ils n'ont pas encore de contrat de 10. Mais ça va s'emmener leur affaire. Il y en a des gars qui sont super bad. Là, on n'a rien de commencer à les nommer. Il y en a trop, mais ils savent qui ils sont. Les gars, ils sont mean, yo. Peace à tous les underground bad boys. Puis, je sais pas, man. Jamais vous me voyez. Donnez-moi un tape, quelque chose pour la c'est maison de 10. C'est pas spectaculaire. Souviens-toi pas de mon nom. Cherche-moi pas dans la nuit. Mm-hmm. Tu vas m'entendre pendant 3 minutes. Concentre-toi donc sur le vocabulaire. Ouais. Peace, love you more, man. Son nom c'était Christian B. Blanche qu'elle a en ville un bébé. Les blancs pour elle étaient ok. C'est les noirs qui piquaient sa curiosité, c'était inusité. Habitait un beau quartier, papa une BMW. Elle a à l'école, un collège privé. Ses parents étaient un peu racistes, puis elle sans préjudice. Attendait les fins de semaine pour se mettre belle, sortir, rencontrer son petit ami Samuel. Tu vois, elle aimait les noirs, pas juste un noir. Christian B, grison hardcore, allait débuter son cauchemar.
Check mes ça. Christian B, Grison Hardcore, a débuté son cauchemar. 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 Bang à gauche, bang à droite, Christian a passé toute la gang, personne la respecte, monde la néglecte, comme dirait Solar est obsolète. Mais notre Christian B veut changer, stabiliser sa vie avec Billy. Avoir un bébé, arrête de fumer, tombe enceinte, pas marié. Ses parents veulent qu'elle se fasse avorter, mais Christian B est décidé. Elle va avoir le bébé noir de Billy. Ses parents la mettent dehors, se trouvent un appart, quartier nord. Touche le bien-être social, change de classe sociale, lâche l'école, devient presque folle. Donne naissance en novembre à mon petit métis qu'elle appelle Alexandre. Et Billy la laisse tomber comme la neige en décembre. Ouais, allô? Yo, Christian, arrête d'appeler ici, man. Mon père capote. Non, non, je l'avais dit que j'en voulais pas de bébé, man. Fais un genre, yo. Non, non, je veux... Arrête d'appeler, man. Yo. Christian B, Grison Hardcore, a débuté son cauchemar. 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 Y'a tout ce complique. Alexandre a 3 mois, Christian panique, peut recommence à fumer, sa famille le renier. Ses amis aussi, rencontre du nouveau monde, mais rien réussi, c'est bête. S'achète une petite TV pour passer le temps des fêtes. Pleure, se rappelle le souvenir de jours meilleurs. Fume du weed, rêve d'être ailleurs. Là, Alex pleure, elle regarde, réalise pour la première fois. Son bébé est noir, vraiment noir. Les cheveux frisés, bouclés, les yeux noirs. Sans parents noirs, quel genre d'éducation Alexandre va-t-il avoir? Il parlera pas créole, elle tressera pas ses cheveux. Il va haïr les noirs que pour lui, son père va l'avoir laissé dans le noir. Il est pas chanceux, là il a 5 ans, Alexandre c'est un bâtard. Condamné à chercher toute sa vie, sans jamais savoir que c'est la mère qui adore, qui a créé son sort en voulant avoir un enfant avec un noir. Juste pour le fun, juste pour voir, oh, sont cute les enfants mélangés. Mais il faut savoir qu'un enfant sans ses parents, ses héritages, c'est un bâtard. Condamné à chercher toute sa vie, sans savoir. Quand même si t'es métisse, les racistes ou les blancs vont toujours te voir comme un noir. Au refuck, fucking voir. Christian B, Grison Hardcore, a débuté son cauchemar. 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 Donc parlera de plein le con des cas. Dans notre belle société civilisée, nous avons des modèles à qui s'identifient les armes à gouvernement, policiers, prêtres, docteur, psychiatre, athlète ou vedette. Mais voyez-vous, moi comme plusieurs d'entre vous, je n'ai jamais trouvé quelqu'un à qui m'identifie. Les gouvernements sont presque tous blancs, remplis de vices, malices, racistes et préjudices. Et moi je suis juste un enfant qui voit les modèles des années 70, tels les évêques et les prêtres, devenir des violeurs, des abuseurs, des traîtres. Sans parler de docteurs qui abusent littéralement de leurs patients. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ici, c'est qu'il y a personne aujourd'hui qui dit et font les mêmes choses. Donc il est temps que le monde fasse quelque chose. Prenez-vous en main, tracez votre chemin, visualisez votre destin. Soyez votre propre modèle du début à la fin. Et personne, ni intelligent ou crétin, pourra vous influencer, car vous ferez partie des gens qui s'autosuffient. Dans ce monde d'indépendance, c'est une puissance. Québec libre, par instance. Créez votre indépendance, 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 créez. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et de vouloir être comme quelqu'un qu'on aime, c'est bien. Mais vaut mieux rester soi-même, car vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Alors vaut mieux pour vous d'être vous-même, comme ça vous serez toujours unique, recherché, magique. Quelqu'un avec qui il fera bon d'être seul ou en public, croyez-moi.
ces paroles sont véridiques. Cette confiance qui se développera en vous sera aussi puissante que son de mes peurs. Pas créer son indépendance, c'est comme partir vers la renaissance, mais cette fois avec une grande intelligence, telle AMNTM et Sola. Et si vous écoutez leur musique, vous réaliserez à quel point les modèles gouvernements policiers qu'on nous donne dans notre société sont les mauvais à suivre en tant que black de la communauté. Car les gouvernements et policiers sont combinés pour éliminer les minorités, le taux de chance de survie, si ce n'est pas carrément de leur vie. Car de Paris à New York, de Montréal à Londres, les policiers et gouvernements sont tous pareils, dotés d'une philosophie raciste sans pareil. C'est pourquoi vous avez besoin de créer votre indépendance. Créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance, créez votre indépendance. En créant votre indépendance, vous réaliserez les vrais problèmes de la société. Du système d'éducation mis en place par un gouvernement blanc, des informations interprétées pour vous ridiculiser et vous garder loin de la réalité de la culture africaine déjà installée, telle que l'Éthiopie a civilisé le monde, tous les mondes, que l'Égypte est un endroit civilisé, éduqué, organisé, bien avant Rome, la Grèce et tous les pays qui s'empressent à raconter qu'ils ont éduqué le monde. Alors à toi, homme ou femme de la communauté, lève-toi, respecte-toi, étudie-toi, connais-toi, sois-toi, marche comme une reine ou un roi, marche sur ou sous les toits, seul ou avec moi, mais fais de ta vie une vie sans nul autre que toi, comme une reine ou roi, car tu descends un peuple digne de foi, un peuple avec des rois, des lois, un peuple en qui je crois, car je crois en moi, et je crois en toi, si tu crois en toi, et si tu cherches à créer ton indépendance. Crée ton indépendance, crée votre indépendance, crée нескольких слов, окей? Меня зовут Кейси, я приехал из Канады. Я отдаю вам всю мою любовь. Это дарья молодежи. Je fais un pas en arrière, flashback au secondaire. Je pense à ce que je pensais 6-7 ans en arrière. J'ai passé les primaires, secondaire, puis j'ai fait le sommaire. J'étais impair, jamais pair. Marginal bataille à 140, mes poids voyaient que du négatif en moi bas. J'étais le mouton noir dans les classes, les corridors d'or. Hey, on coupe pas dans les corridors, mon petit Chris. Mais aujourd'hui, j'écris mille fois plus qu'à l'école. Sauf que j'écris la vérité, pas des mentries qui décolle. Comme dans les livres d'histoire d'école. Qui parle jamais de mon peuple, mais plutôt Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ben oui, pis moi j'suis débarqué au métro Longueuil pis j'ai découvert la rive sud. Peace food du coup pis c'est pas tout. C'est l'est important, intellectuel, écrit doit être deux fois plus important, donc essentiel. C'est l'est intellectuel, écrit doit être essentiel. C'est l'est intellectuel, écrit doit être essentiel. C'est l'est intellectuel, écrit doit être essentiel. C'est les intellectuels, les créés de tête essentielle. Maintenant je l'ai plus que Bruce. Waouh, oui, c'est pour ça que mes lectures Bruce. Pourquoi certains livres nous confusent? Je suis confus. Y a-t-il les manipulateurs d'information de matière qu'à l'aide de menterie? Manipule, échange, circonstances, je pense que oui. Donc lis pas n'importe quoi, choisis tes auteurs. Y a trop de menteurs qui ont entre leurs ancêtres et leurs ratios, c'est pour ça qu'ils changent les versions. Mais attention, paye d'attention, je dis pas l'école en général. L'école te forme une colonne vertébrale. C'est important pour tout le temps, t'as besoin de tes diplômes. Secondaire 5 minimum. Ça donne de la mythe des idéologie de travail, des chances de rencontrer une. Excusez-moi, back by, pas comme moi, sois toi. Anyway, après secondaire 5, tu verras. Cégep, université, travail, crime ou rime. Tu feras bien ce que tu voudras, mais pour l'instant. C'est l'est intellectuel, écrit de tête essentielle. 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 C'est l'est intellectuel, les créés de tête essentielle. Yo yo Casey, je me rappelle quand j'écoutais Rap City, Pop Pop Love You Mom. Ça te dit quelque chose, ça? On te voyait tout le temps avec ton DJ Shortcut. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de danse qu'on a pas?
Si liste intellectuelle, écrire était essentiel. 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 Food fight, de la bouffe partout. Des semaines de bataille, c'était fou. Des filles qui, n'importe où. Je me souviens tout, surtout des profs qu'on a, c'était cool. Sauf quand la cloche te rushait vers ton cours de français. Mais ça faisait partie de notre sort, Antoine Brassard, 84-85. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est bizarre. Par hasard, mon lâche l'école, un très bas âge. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais ça a dû changer. Fait que je peux pas dire de rester. Fais ce que tu veux, d'école, école, joue le jeu. Seul toi, c'est ce que tu veux. Amen. Je me souviens de mon secondaire, pis c'est à ceux qui faisaient tomber les cases le vendredi après-midi, pis qui ont cogné des profs. On était contof, mais malgré tout. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme, pis ils vont me suivre jusque dans ma tombe. Tout ça pour dire que c'est pas comment t'as ton diplôme qui compte, mais c'est que tu l'ailles, sans faille. Bye! Vous êtes toujours sur Dog Babylon 69.3 FM, dans l'album de Casey LMNOP and the World Crew, qui sont en tournée en ce moment en France, dans le quartier de Orléans, qui est genre à 150 km au sud de Paris. Et pour ceux qui n'aiment pas la France, ben laissez-moi vous dire que les cités là-bas explosent, tout comme ici. Le stress là-bas, c'est le stress ici, c'est la même chose. Changez vos prises d'idées pour la France est stylée. Et sans plus tarder, nous allons passer au tirage du 9 mm chromé Smith & Wesson, gracieuseté du poste de police de Chambly sur la rue sud de Montréal. Oui, on a déjà eu un gagnant, c'était Gucci Biatch ou Gucci Toy Boy. Ça tombe bien parce que je pense qu'il va en avoir de besoin avec toutes les filles qui ont violé dans la communauté. Anyway, c'est pas une joke à faire, pauvre type. Enfin bref, on se laisse là-dessus et puis on se revoit de l'autre côté parce que je pense que bientôt on va être coupé par l'FCC ou je sais pas qui nous check. Qu'attend quelqu'un de la communauté explique à Babylon qu'est-ce que ça veut dire Doc Babylon. Alors on vous laisse pour l'instant sur Doc Babylon 69.3 FM. C'est simple, mon père et ma mère adoptive, je les aime. Je viens de c'est ma blonde que j'aime, mais blonde je me sens mal, j'ai mal, ça doit être normal. Puis je pense à mon en général, à mes chums qui assoient la police à mon milieu incarcéral, au bombardement, au Oklahoma, le building fédéral plein d'enfants, aux femmes qui se font violer, puis aux enfants mal aimés, au système judiciaire qui protège juste les riches, les privilégiés. Oh, fan de ta gueule, j't'ai curé, mon cœur est déchiré, les réalités des sociétés sont trop bizarrement administrées. Oh, le politicien, ta gueule, j't'ai curé, t'entends japper, mais jamais mordre. Ta gueule à ceux qui abusent sur les plus petits, à ceux qui profitent des démunis. J'ai perdu des frères, des sœurs, des amis, puis aujourd'hui ma blonde qui est jamais blonde. Fait que j'ai plus rien, la pelle, mon sang de pression. Sans honte, je dis ta gueule à tous ceux qui parlent trop, pis à ceux qui se pensent bad, yo ta gueule. Femme dans ta gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Je retourne à page, une autre page blanche, mort penche, remonte ma manche, pense aux menteurs, à ceux qui mentent, sont parabolistes, qui t'es carreau, violeurs, ou voleurs, aux abuseurs. Pis ça me rend de mauvaise humeur, mes boys me disent que c'est ta gueule. Ce que tu dis, c'est grave, tôt ou tard, ils vont te fermer la gueule, mais yo, ils ont rien compris. J'ai perdu il y a longtemps l'envie d'être une victime. Moi, si je reste muet devant l'injustice, je sens que je vaux pas un centime. Qui se rappe d'Elazis, Salam Yassine et Yamin. Je danse pas comme du poulet, comme d'autres tatas. Personne me dit quoi dire comme d'autres tatas. Si je veux dire à Melbourne que c'est un voleur à la peine en France, c'est un mentor au faiseur de gars qui met à carreau. Cop, que c'est des abuseurs, racistes, que c'est des ignorants. J'ai pas peur, vos gueules. Mais personne me dit femme ta gueule. C'est moi qui dis ta gueule au grand gueule. Ta gueule. T'es calme. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, femme ta gueule.
Yo, je sais pas pour toi, mais moi j't'écœure et ceux qui parlent trop. Les T-Joe connaissent, hein, qui connaissent tout, sauf la route du silence. Pour ça, j'perds patience, comme mon père confiance. Au prêtre, traite comme des enfants dans l'innocence. Au sang comme les des enfants atteints de déficience. Au violent comme les n'importe qui, n'importe comment. Aux parents qui donnent pas d'amour aux enfants. Au racisme qui persiste à blesser les gens physiquement. Au système en général pour être si archaïque, car préhistorique, puis aux policiers qui jouent à l'éculux sur la population. Comme si le monde ordinaire c'était des cons, esprits qui sont cons. La tune me déprime, j'm'en fous si ça rime. C'est comme si j'étais à veille de mourir et puis j'disais ce que j'avais à dire. Dommage, j'ai juste 3 minutes et quelques secondes, ça tourne. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de tunes sur l'album. Ils sont sûrement pas de tout le monde, mais ils sont vrais. Ils parlent du stress, la vie ici sur terre et c'est mis à la petite vie. Ah, j'suis pas capable. Dernière nouvelle de l'actualité dans le milieu de la musique, l'animateur KCLMNOP a subi une tentative de meurtre. Il a été atteint de 3 projectiles à la sortie d'un concert qu'il a fait à Montréal, Canada. Alors pour avoir plus ample renseignement, nous vous passons à notre correspondant québécois, M. Claude Havard-Pinard. Oui, bonjour, écoutez, ben là on est sur la scène en ce moment, on est sur la rive sud de Montréal, certaines personnes disent le centre chaud. Écoutez, c'était le concert de Casey LMNOP, il est sorti de son concert, quelqu'un qui l'a tiré à 3 reprises, ça l'a frappé à la tête, on sait toujours pas dans quel état il est. Il est à l'hôpital Charles-Lamoine dans un état critique. Écoutez, on se laisse là-dessus, nous autres on essaie de suivre l'ambulance, on va aller les rejoindre, il y a 2, 3 ou 4 autres personnes qui ont été atteintes de projectiles. Casey LMNOP, j'entendais, j'entendais qu'il vient d'arriver à l'hôpital, c'est ça. Alors on se revoit un petit peu plus tard, je vous laisse. Ici, c'est un peu le chaos, quoi, un peu la folie. Les gens ne savent pas trop où aller, qu'est-ce qui se passe. On se reparle un petit peu plus tard. Merci beaucoup, au revoir. C'est donc notre correspondant montréalais, M. Claude Pinard. Doc Babylon, 69.3 FM, Peace, Love You, Mom. Pour ceux qui ne savent pas, Foglia est un excellent, sinon le meilleur journaliste à Montréal, aux côtés de Alain Pinard. Mais quand il s'agit du suicide ou du rap, Foglia est carrément zéro, nul, nil, niet. C'est pourquoi son article sur le suicide n'a pas passé inaperçu dans la communauté. Et ben, cette chanson est pour toi, Foglia, sur 69.3 FM. Malgré tout le respect que tu as, ce coup-là, t'as manqué le bateau. Écoute la toune, ça risque de t'aimer votre mère. 69.3 FM, écoutez la chanson. Suicide à Montréal, journal sans presse, vide d'en parler comme Foglia dans la presse. Maillon, y a compris, ce qu'ils écrivent c'est con, ça rien à voir, son con. Comment veux-tu comprendre ce qui se passe, t'es con. Les journaux parlent du rap et du suicide comme s'ils savaient ce que c'était, son con. 1. Vous savez rien sur suicide. 2. Vous savez rien sur la RAP. Hier, vous étiez en train d'écrire sur le rock'n'roll puis les BMW. Puis aujourd'hui, vous voulez écrire sa réalité déconnectée qui vous permet de prétendre que vous pouvez comprendre. Vous avez rien compris, vos gueules. Ceux sur les milieux connaissent l'enjeu, vous êtes ben trop vieux. Prétentieux, ce que vous faites, c'est dangereux, y'a le cave. C'est difficile, toi, de regarder tes souliers quand tu marches pour éviter le regard des racistes, le préjudice, la police. Avec pas une scène dans tes poches, pas d'amour qui t'approche. Ton père qui est en dedans, pis ta mère qui danse, pis qui vend du argent. Pendant que les enfants de riches ont un char 9 à 16 ans. Fait que ta gueule, ils demandent pas à Patrick Bruel si t'as le droit, t'as pas le droit. Mais moi, j'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Moi j'ai le droit, j'ai un cousin José, un frère Jason, pis une gang de beaux. Est-ce qu'ils sont passés l'autre bord? Peace, one love, fait quoi t'amener de l'autre bord? Tu veux savoir pourquoi y'en a qui suicident? Mais ta gueule, monte le son, pis listen. Quand y'a plus rien qui clique, tu te sens seul. Même que t'es en public, que personne n'est comme toi. T'es unique, pis personne te respecte, tu deviens fragile. T'es prêt à tout faire pour de l'attention, de l'amour. Tout est gris, y'a plus rien qui semble sur solide. Tu t'en mets tellement que tu penses au suicide. Qu'est-ce que de l'autre bord, qui est de l'autre bord? Tu t'en fous, t'es tabou, ça peut pas être pire. L'autre bord, ici c'est l'enfer. Fait que tu pars, le monde pense à cause de la dope et la musique que t'as peur. Mais yo, la seule chose que la dope et la musique a peut faire un suicidant, c'est sûrement de garder plus longtemps sur ta. Ici la musique l'a vraiment fait suicider. Comme l'équipe qui se sont tués pour aller voir Nirvana en concert en enfant. C'était aux parents de relever leur enfant. C'est dur d'en parler, mais parlez-en pour l'amour des enfants. Parce que c'est le manque d'amour qu'il y en a qui a. Parce que si t'as de l'amour du monde que t'aimes, que t'as pas de problème. Mais la réalité, man, check it out. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace,
tu fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Suicide, pas d'âge, pas de race, pas de face, laisse parfois une trace. Une lettre qui explique pourquoi, une lettre qui dit souvent excusez-moi. Je sais que je suis pas correct, je vous ai fait de la peine, je m'excuse de ce que j'ai fait. Ou qui explique quel est le problème, le dilemme qui le force à se suicider comme une fille. Y'en a qui aiment tellement un des personnes qui veulent pas vivre sans elle. Ils se disent que si je l'ai, ça va régler mes problèmes. Puis souvent ils l'ont pas, mais ça fait un dilemme de trop, comme Anoudette et Sophie. Mandy, c'est pour ça qu'il est parti, d'en haut du pont Jacques-Cartier. Peace Anoudette, de la part de MAB et le monde de AB. Tout ça pour dire que le suicide, c'est la fin d'une route où on voit plus devant soi, y'a plus rien, juste du noir et blanc où on sent rien. Même le choc, la mort devient rien. La dépression totale, stress anormal qui cause l'acte fatal. Fait qu'arrête d'écrire des conneries sur le suicide, vos gueules. Personne sait encore pourquoi Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, James Dean, Apollo Queen, Savannah. Des riches et célèbres se sont suicidés, des pauvres inconnus se sont suicidés. Wow. Des jeunes et moins jeunes, fac vos gueules. Arrêtez d'imaginer, suicide est une réalité comme le stress, SOSPS. Qu'est-ce que Hermanopi pense que le suicide c'est pas une solution? Tue-toi pas parce que les autres sont cons, c'est con. Pis c'est une harmonie aux familles de ceux qui se sont suicidés. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Pis fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Pourquoi les jeunes t'es aussi agressif, aussi violent? Eh bien, Jean-Luc, comme tu n'avais pas de jeunes stressés sur ton show, et puis aujourd'hui, sur 69.3 FM, il y en a plein, on va t'offrir un petit témoignage de quelqu'un qui sait c'est quoi le stress, pour t'aider un petit peu à comprendre, quoi, parce que tu n'as pas l'air de réaliser que quand tu n'as rien, tu n'as personne autour, tu n'as pas d'amour qui t'approche, tu n'as pas une scène dans tes poches, le stress est beaucoup plus fort. Okay, ce témoignage, on va t'envoyer ça dans une tonne de hip-hop. Malgré qu'on respecte ton émission, c'est une des meilleures au monde. T'as tout, man. Quand tu parles des jeunes, puis tu stresses. Je peux pas comprendre ce que c'est. Pas le bateau parce que c'est trop important. Arrête de faire aller ta grand-mère, ferme ta gueule. Tu peux pas savoir c'est quoi, man. Je m'en fous de mourir ou de vivre. Tu veux rien comprendre l'histoire, man. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Pas avoir à penser, juste réveiller, dormir. Mais mon cadran sonne, quel martyr. Je me lève, métier, bye, ma bille. Mais plus mon argent, mon pistolet. Oublie la pile à mon lit qu'hier soir, je pistonnais. Un grand verre de lait, des biscuits, pis je pars voir les homies. Il est 2h30, je me sens mal. Le stress me mange comme une bioche, mais si quelqu'un teste, je le fuck, sans remords. Quand mon corps vit, mais mon cœur est mort. Tout comme mes rêves et mes espoirs. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Ben oui, je connais le bien et le mal. Le bien reste sur le Mont-Royal à Montréal. Le mal, lui, appartenait à Bordeaux. Égal milieu incarcéral, mais je m'en fous. Système me rend fou. Je t'avoue, je suis prêt à rentrer en dedans. Pour 25 ans, 35 ans, n'importe quand. Faire des crimes violents. Taille aussi longtemps que les gens me donnent mes respects. C'est ce qui est important, l'épée. Pourtant, je connais le bien et le mal. La parole de Dieu est celle du diable. Je préfère celle de Dieu, mais c'est pas normal. La récession fait trop mal. Le système scalaire trop banal. Les taxes sont trop high. Fait que je m'en fous si je die. Bye. Mes valeurs spirituelles me sont retirées par la réalité de subsistance. Manger et aimer, 1995, quelle année, bonne année. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Yo man, laisse-moi dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Yo, je m'en fous, man. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. J'aime me réveiller, toujours dormir. Dieu, je peux pas te mentir. J'aime pas comment je vis, mais ici c'est pas le paradis. Personne en blanc avec des ailes. Elle monte en noir avec des fusils. Pis si, je suis pas le premier à tirer, moi être le premier à tomber. Fait je garde mon âme sur moi, toujours prêt à me protéger. Parce que j'aime papa, maman, qui veulent pas que leur enfant meure avant qu'il soit mort. J'ai peut-être tort, mais en 9-5, y'en a des kids avec des 45 qui sont prêts à tirer pour une histoire de fille ou une paire de souliers. J'ai honte, mais c'est ma. Notre réalité, 1995-96, de Montréal à New York, California à Newport, la violence l'emporte. Dieu, change-moi avant que la violence m'emporte. Dieu, la violence cogne à ma porte. Bon. Hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Chrome 2, clip, une boîte de balles, là tu tripes. Tu cherches un power trip, clip, clip. Tu passes la journée à jouer avec, à laver, à planifier ton premier hit. Comment tu vas sortir, comment tu vas agir. Hey les enfants, je suis prêt. Tu sors dans tes affaires. Monte en haut, dis hello à ton père, ta mère, ta soeur, ton petit frère. Fais ta prière, mange ton souper, ton dessert. Tourne en bas, jouer avec ton revolver.
Mets les balles dedans, tu te prends pour Lucifer. Tu regardes dans le miroir, pis bam! Sans savoir, t'appuies sa gâchette, la balle fait un ricochet. Là, tu capotes, tu sers ton gun, monte en haut en hypocrite, sous prétexte que tu sais pas ce qui s'est passé, mais ta mère est couchée par terre, avec une balle en tête, c'est bête. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Tout le monde dans ton quartier en a un, fait qu'un de plus ou un de moins, ça change rien, cool. T'achètes un 38 avec deux clips, mais tu tripes pas. Tu dis à personne, ce 38, c'est à toi, pour toi. Tu te prends pas pour le roi. Tu veux juste que personne prenne ce qui est à toi, puis je comprends ça. Fait que tu commences à le porter sur toi, partout si tu vas, ton attitude change un peu, ta confiance en toi. Tout est pour le mieux, sauf avec ta blonde. Elle veut pas que tu te promènes avec un gun. C'est normal qu'elle bougonne, c'est ta blonde. Fait que ta colle, tu vas la voir. Tu l'amènes à quelque part pour y montrer comment ça marche, un gun. Elle aime toujours pas les guns, mais elle trouve ça le fun. Vous faites l'amour dehors, à côté du char. Puis le tableau de tasser le gun. Elle pointe par mauvais bord. La dernière balle la perd fort, elle tombe par terre. Elle pleure, vu que c'est pour un film, elle meurt. Elle puis bébé parce qu'elle était enceinte de toi. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Comme ça tu veux un gun, tu trouves ça le fun. Tu veux tes respects, tes props, comme Tupac. Fait que tu prends le boss avec ton Glock. Tu dévisages tout le monde sur ton passage, sauf les cops. Tu joues ton coup au rendez-vous, tout le monde t'armé les douze coupés dans des études à guitare, des machettes, des guns. Je me serais réveillé tard à toi, arrête-y. As-tu amené de la bière? Pourquoi? J'ai envie de boire. Toi, puis ton coup, faites les fous. Personne vous teste, vous êtes ben trop fou. Mais là, y'a un autre coup qui rentre dans le métro. Le monde se dévisage, se regarde. Qui va brancher le premier? Qui va commencer le carnage? Miracle, personne parle. Hey, passe la station, Père et Ucam. Ouf, ça sent la cam. Puis bang, tu perds ton calme, ça ton âme. Parce que quelqu'un regarde ta dame. Tout ton coup, j'ai massacré, criblé, tiré, placé. Puis le dernier, tu t'es pas encore fait tirer. Mais n'a plus de balle. Tu regardes le gars droit dans les yeux. Tu sais que tu vas mourir juste parce que t'as voulu jouer au dur. Bon! Là, tu fais dur. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Comme ça, tu veux un gun, tu trouves ça le fun, hein? Doc Babylone, maintenant que t'as un gun. Yo, son tir, man. Je pensais pas qu'ils aimeraient ça, mais anyway, ça a l'air qu'ils ont aimé ça. Mais yo, c'est pas important, c'est en passant. Si vous allez aux States, parlez français aux filles, man. Ça les Maximum de respect à tous les maximum bad boys, tous les maximum bad girls. De retour à 69.3 FM, Doc Babylone, sur un autre vent, quelque chose d'un petit peu plus d'énergie, disons. Nous sommes backstage, live, au concert de Casey Adam LOP, à Prison de Bordeaux. Queen Sisters in the house. Ils sont en train d'allumer les micros de Casey et faire le soundcheck. Non, on se revoit. Non, je veux rien savoir, mais garde ça simple, man. Parce que je découle du style comme du liquide, avide de style comme mon ami David, Cooley, rapide comme l'intrépide de Chrysler, number one breakdancer. Breakdance forever. Yo, Cooley, fais-moi une faveur. Boston Widmill, pour ceux qui portent le hip-hop dans leur cœur. T'as quoi, bad boy? check-moi l'eau, man. J'ai mal à la gorge. Ouais, check là. J'écris comme Bic, j't'unique comme l'essence. C'est clair comme Gluck, j'suis pas black comme Deca. J'suis métisse comme la mère de Malcolm X. Ça comme la science des 3X, la science, la jouissance. J'lis plus que Bruce, silence. Peace, Brunis, Surin, Laïcien, pleine puissance. Qui course, bonne chance, bonne course. T'es fils à l'académie d'arts martiaux de Jean Ruel. Qui pratique les tactiques du Wing Chun à Yo, chill. Yo, what's up, man? M'envoie un gros beat, man. Yo, check it out. Yo, comment ça va? La dose de drogue me drogue. J'sens la dose qui me dose. Pure hip-hop de CSB sans pause. Pis si tu veux savoir le score, mande à Laura, tu verras. Ma dope est mieux classée que les petites annonces. Sans j'annonce, j't'annonce qu'avec moi, t'attends pas comme à l'urgence. Distribue plus de stock aux consommateurs que chaque vente radio. Fait que yo, si tu veux, hear yo. Moi, j'chill, yo. Man, j'ai packé ma toune d'explosifs nocifs. Mais j'suis pas raciste, mais j'persiste comme Spider-Man. Avec un plus gros Batman, pas Catwoman, viens donc chercher Batman. Le maximum.
maximum. Respect pour le maximum, bad boy. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. J'ai le maximum respect pour le maximum, bad boy. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. J'ai le maximum respect pour le maximum, bad boy. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. Excusez-moi, je me réveille. J'hallucinais, je dormais dans le premier verset, je rêvais que j'étais une star. Mobile comme une auto, chasse fort. Mais j'suis encore dans mon quartier, comme le pont à Jacques, avec un gros dans le plat. Parce que le dernier deal a mal tourné, comme la coupe de la mort sur le pont Jacques, quartier, pis un poulon m'a presque freezé. Pour 2,32, ben silencieux, le dos, j'm'ai été chanceux. J'ai vidé ma clip, mais j'l'ai manqué. J'étais carré de billets, je sais que le business dure pas pour la vie. C'est pas une vie, tôt ou tard, faut que tu payes le prix. Mais ça me rend puissant, j'fais de l'argent, pis j'ai un coup que j'commande comme un commandant. Pis des filles qui... tout le temps, pourtant, en dedans, je le sais qu'il est temps que je parte. Ma rousse dans ta barre, avec je m'écarte la map. Des armes à feu, elle me dit que ça sent bien trop dangereux. Mais je viens de faire 20 000 comptants pour une caisse de 145 en argent, je content. Autant d'argent qu'on t'en fait oublier. Madame qui a peur, ma mère qui pleure, pis ceux qui meurent. T'es le maximum respect pour les maximum bad boys. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. T'es le maximum respect pour les maximum bad boys. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. T'es le maximum respect pour les maximum bad boys. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. T'es le maximum respect pour les maximum bad boys. Mais pas pour longtemps, parce qu'après, tu deviens un toy. Ça t'écœure, ça m'écœure, pop, ha. Je rock comme belles oreilles, bonjour la police. Bon, bon, bon. Entre les deux oreilles, hey, je sens qu'il n'y a plus rien de pareil. Ha, je suis dans un boss New York, Montréal, cheers, je me réveille. Je suis allé chercher d'autres petites merveilles avec une petite merveille. Qu'après 6-7 heures de boss, vont changer en cash. Oups, les douanes, le boss c'est pas change, j'ignore encore mon sort. Les douaniers fouillant dans dehors, trouvent rien, je suis ben trop fort. Arrive au terminus, Berry, je souris ben trop fort. Mais personne n'est là, bizarre. J'sors dehors, pogne mes bagages, gages qui sont en retard. Puis j'vois deux Chrysler qui se parquent de nulle part. Trois cops, ben trop fort, ma pogne, corps à corps. Mettre des menottes, t'abîmes mon costard. Me trouve en dedans pour 7 ans, après 2 ans que les écœurants me checkaient. No joke, comment c'est laid. Ma première journée de pénitentiaire, j'suis fait cogner. La deuxième piqué pour m'assurer une stabilité. La troisième, ils m'ont massacré à 10 piqués. 60 fois tué, le monde m'ont vite oublié. D'autres m'ont déjà remplacé comme si j'avais jamais existé. Aujourd'hui, j'ai beau crier, mais personne m'entend parler. If you wanna come and test me, me, me gotta shoot you down. And if you will take me up clone, me a rubber from Southbound. Boom, 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 boom. Check it out. C'est Noël, Jingle Bell. Tout est pareil, y'a rien m'émerveille. J'attends le Père Noël. Il est où? Mon père est sous, j'ai besoin de sous, j'manque des clous, mais reste debout, la vie est dure, structure fondue, famille structure, compagnie fondée, coupeuse à but d'allure. Coup de chômage monte à vive allure, comme le prix de la carte de boss, ça arrive sud, c'est dur, y'a plus rien de sûr. Que j'ai le futur les assure, y'a plus rien qui me rassure. Backdrop sans censure, sans injure, mais avec baveur. Juste pour être sûr, que les structures gouvernementales réalisent pour sûr, soit normal que la vie soit si dure. Check it out. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Yo, car. T'as un skidoo, quelque chose dans 80. Gouvernement, elle est écœurant, on veut de l'argent, du travail, du mouvement. Bon, les étiquettes, mais d'ailleurs, on veut les étiquettes. Made in Québec, je sais que je suis pas un économiste, mais man, c'est pas correct qu'on achète de d'autres pays ce qu'on peut faire ici. Je sais que Murbonne a magané le pays, mais là, il est parti, pas qu'il est temps qu'on shape notre économie. Qu'on se bâtisse, c'est un pays aussi beau que l'Expo 67, aucune corvette 57. Avant que le monde perde confiance au Québec à cause de la dette. La dette, man, c'est pas correct. Je suis sûr qu'avec les loteries, les casinos, pis les autres jeux, on peut payer la dette si on veut. Mais bon, joyeux Noël et bonne année aux baveux qui réalisent pas l'enjeu de la mise au jeu. Check it out. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bells, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Yo yo, check le verset yo. It's real son. Bah tout ce que je veux, me faire un aveu, c'est qu'on soit heureux, joyeux. Que le monde fasse du cash. Que le chômage crash. Que le racisme flash.
débarrasse. La race humaine sème la farce, qu'une gaffe me fasse, c'est une farce, c'est un pack. Tout serait fat, peace and love, sex and love, no dope, mais c'est pas drôle. J'ai cœur et de la violence, les gonnes et couteaux qui débalancent l'adolescence, l'innocence, l'essence de la vie de la renaissance. Sous cette prise de conscience, ça double sens, ma présente présence à courte échéance, surtout de confiance, dépice à l'audience, et maintenant, silence. Bring it back. Jingle bells, c'est Noël. Tout est pareil, y'a rien mais merveille. Attends, le Père Noël. Jingle bells, c'est Noël. Tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle bells, c'est Noël. Tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle bells, c'est Noël. Tout est pareil, y'a rien mais merveille. Je l'attends plus, le Père Noël. T'as un cas, ce gars-là. Et où? Ça va être une question un peu indiscrète. C'est une question que tout le monde se pose et que le monde aimerait bien savoir. Comment ça se fait qu'ici, LMNOP est parti de Musique Plus? C'est dur de répondre à ça quand Musique Plus Toronto et Montréal ont payé la moitié de, du vidéo de Tailleul puis ta VIP reste en vie, mais bon. Faut pas faire de chicane. Pierre Marchand, président de Musique Plus, m'a fait savoir par l'entremise de son bras droit que personne à Montréal écoutait du rap et puis que ça se fait, l'émission était cancellée, quoi, qu'il y avait plus de show parce que personne n'écoutait l'émission. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, pousse pas trop loin parce que je vais dire ce que je pense. Je suis assis, j'écris, j'écris. Ça, c'est d'un bullshit, puis que la vraie raison, c'est que... Penses-tu que tu vas faire un show un jour? Un show télévisé? Non, à moins que je puisse avoir une équipe pour ratisse, une équipe loyale et honnête, comme une gang d'amis, quoi. Sur une chaîne de télévision cool, jeune, fresh, sans préjugés, surtout. Là, peut-être, parce qu'il y a quelque chose à faire à Montréal, mais les télés sont même trop connes. Leur boss, c'est toujours les mêmes affaires, toujours la même clique. Pour l'instant, ça m'intéresse, je trouve. Ça m'intéresse pas du tout, là. Mon fan sait ce qu'il mérite de rêver. C'est un fait aujourd'hui que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Donc si tu te mets à écrire à rap, s'il te plaît, prends le temps d'écrire, de décrire ce qui est vrai. Choisis consciemment tes sujets, pas peur d'ouvrir les plaies parce qu'il mérite des faits, mérite des bienfaits. Be anyway, tant qu'à écrire les déchets, t'es aussi bien écrit ce qui est vrai. Comme ça, les amis vont rester tes amis, tes ennemis, tes ennemis, ta famille, puis aux yeux de Dieu, tu vas être précieux. Ce qui mérite de rêver, c'est un fait maintenant que je l'ai fait, je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite d'être bien fait, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Y'en a qui font la musique pour avoir du cash. C'est illogique, non logique, comme un inconnu chronique, une voix sous qui veut conduire dans le trafic. Dégage, panique. C'est peut-être vrai, tu peux faire du cash avec la musique. Mais le bon comique, c'est quoi du cash? Je devrais te vendre sur ton nom mondial. C'est rien crétin. Descendre des déchets toxiques comme les BPC qui étaient stockés à Saint-Basile, t'es inutile le débile. Quand t'écris, tu dois être agile, fertile, avec du style, mais real. Comme ça ton nom va se remplir, aussi longtemps que ce que tu vas dire va servir. Être utile, va faire sourire, peut-être aider à survivre. C'est drôle à dire, mais si tes textes sont vrais, ils pourront peut-être un jour servir à quelqu'un qui a envie de mourir. Ce qui mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite des bienfaits, c'est un fait maintenant que je l'ai fait. Je le sais que c'est vrai. Ce qui mérite des bienfaits. Même la tonacie. Néglige rien, oublie rien, analyse bien chaque mot, chaque refrain. Avec entrain, car pour certains gamins, t'es pas humain, t'es leur idole, un symbole. Apollo, une parabole, en qui ils voient, en qui ils croient. C'est pour ça que tu peux pas te prétendre pour un dieu. Glorifier les armes à feu, c'est trop dangereux. Risqué, c'est jouer avec le feu. Puis dis ce que tu veux, mais si tu glorifies la violence, l'usure de force et d'âme violente dans tes textes, sachant que c'est négatif, check le négatif. Vaut mieux que tu fasses tes bulles, naïf. Passe-moi de faire un aveu. Tôt ou tard, faut que tu fasses face à Dieu. Pac ta gueule, réécris tes textes, bouge flèche, t'es rien. Avec des textes précieux qui ils rendront pas Dieu nerveux, mais heureux et sois joyeux. Imbécile. Hey, j'ai gagné 2 piastres en bar en or. Non. 6, 10, 3, 8, 10, 12, 3, 6, 5, 7. Aïe, aïe, man. Avec mon 7, j'ai gagné 2 piastres, man. T'as-tu aimé ça, travailler avec Denis Talbot sur l'émission Rocambolesque? Comment est-ce qu'il était, lui? Denis Talbot, c'est simple. Denis, c'est le gars qui m'a donné le courage de rester en vision. Parce qu'avant de faire Rapsité, j'ai fait une émission qui s'appelait Rocambolesque. Puis le monde avec qui je travaillais était tellement con, pour pas dire anti-rap, que sans Denis, j'aurais sûrement cogné quelqu'un, je serais parti. Je connaissais rien à la télévision, ça m'intéressait pas bien plus que ça, mais bon, je l'ai fait, je veux dire, ça faisait partie de mon travail. Mais Denis, c'est le gars qui m'a vraiment aidé, disons.
Denis, c'est une star. Il est gêné un peu dans la vie. Moi aussi, je suis timide un peu dans la vie, mais je suis pas une star. C'est un vrai animateur de télévision, mille fois plus que toi, moi. Toi, moi, c'est qui le prochain à se faire tuer par les policiers? Je sais pas, je suis perdu. Dans ce monde où les policiers sont plus des sauveurs de vie, mais des tueurs d'ethnie. Pendant que les ethnies payent l'impôt, stimulent l'économie et se battent pour le pays. Qu'est-ce que les Blancs ont que les Noirs ont pas? Qu'est-ce que les Blancs font que les Noirs font pas? Je sais pas, mon esprit est pris. Maintenant, avec mon rosy, mon corps est aussi pris. Je suis pas l'esclave de personne. J'ai eu ma première arme, j'avais à peine 14 ans. J'ai tiré, on m'a tiré, ils m'ont manqué. J'ai à peine 20 ans. Trois de mes frères sont morts, à peine 25 ans. Où sont leurs armes? Je pleure, je saigne. Je m'ennuie de ma famille, de mon crew. Serons-nous un jour libres? Serons-nous un jour heureux? Je sais pas pour toi, mais pas moi. Toi, moi, c'est qui le prochain à se faire tuer par les policiers? Je serai jamais libre. J'ai déjà perdu mon équilibre. Hardcore est mon intérim dans mes rimes. Sans mort, menace, c'est ma réalité. Dans ce monde où tu peux te faire tuer à tout moment, c'est plus une question de justice, mais raciste. Les policiers sont des tueurs de minorités. Non, des officiers de la liberté. La description se décrit comme suit. C'était un immigrant, t'es coupable obligatoirement. Comme Anthony Griffin et Marcellus François, qui sont fait tuer par des policiers. Jamais coupables, punissables, les policiers et policières depuis l'histoire Barnabé invariablement sont solidaires, un à un, d'épaule à épaule, ils s'épaulent, peu importe le crime et sa gravité. Exemple numéro 1, le LAPD et Ronnie King. Mais j'aimerais les voir un à un dans le noir, sans armes ni collègues. Je leur lèguerais un à un la définition du mot nègre. Je les ramasserais comme jadis mon peuple ramassait du coton. Leur donnerais une leçon sans pardon, mais pour l'instant relaxons. 40 mois pis toi, ça pourrait être moi le prochain à se faire tuer par les policiers. Moi, toi, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain qui vont tuer? Ce texte est dédié aux policiers qui abusent de leur pouvoir, pas à ceux qui font leur job. Peace. Freestyle pour l'histoire. Freestyle pour l'histoire. Peace au cousin Tony Montana que la police a tué. Pas à toutes les familles que la police a battu ou tué un membre, quelqu'un qui aimait. C'est la fin du côté, je sais pas trop. J'suis un peu fucked up. Non, j'ai rien pris, je suis juste bien fatigué puis bien écœuré. Puis lire un texte comme ça, ben, ça m'affecte. De retour à Doc Babylon 69.3 FM pour la conclusion. On a parlé beaucoup aujourd'hui, c'était cool, sur ma dernière émission. Mais faut pas oublier les piliers, les partenaires, les gens qui font que le hip-hop marche, des gens qui sont très, très, très respectables, des gens que ce serait un petit peu trop long à nommer, mais que ce soit KRS-One, que ce soit Rakim, que ce soit le 501 POSSC, que ce soit Jimmy J, que ce soit Shortcut, que ce soit DJ Rock, que ce soit Choice, que ce soit Storm, que ce soit Shadow Culture, peu importe le groupe, peu importe la provenance, Noisemaker, que ce soit Flavor Flav, Public Enemy, Chuck D, Queen Latifah, New York, East Coast, son. Peu importe, represent who you be, and who I be is who I am, son. Y a plein de groupes, y a des gens comme The D-Man, y a beaucoup de monde, The Boogeyman, y a beaucoup de monde, Africa Bambaataa, Zulu Nation, Walter, Evanson, y a tellement de gens à nommer, ça serait un petit peu trop long, mais faut juste pas les oublier. Et puis, un petit mot de la part de Casey Adamino, puis big up à tous les gens qui travaillent tous les jours pour faire le hip-hop, une vraie musique, quelque chose qu'on porte dans notre cœur. Eh bien, peace, puis je vous laisse avec une dernière pensée, un dernier mot que j'écris pendant que j'étais à l'aéroport, en partant, quoi, parce que c'est enfin la fin de mon album, et puis j'étais des gros beats, des textes OK, rien de cave ou prétentieux, juste des affaires chill, quoi. J'ai hâte de partir, par exemple, aller en parlant de chill, aller chill sur mon bateau au bord de Trinidad, puis commencer mon autre album en anglais ou un autre album en français, je sais pas. Mais en passant, j'aimerais dire merci mille fois aux gens qui m'ont supporté. Merci 999 fois au monde qui m'ont dis, ce qui veut dire pas supporté. Pour moi, c'est tous du pareil au même parce que c'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est comment je le prends. Que je sois en prison, libre, pauvre ou riche, seul ou en public, nomade ou sédentaire, malade ou en santé, je m'en fous, je suis heureux. J'aime mon peuple même. Puis moi, ben, quoi que ce soit qui arrive, je suis optimiste, jamais pessimiste. Peace à mon peuple, stand up for your right, peace to Bob Marley. Puis bonne chance dans tout ce que vous décidez d'entreprendre. Je vous laisse là-dessus et puis bonne fin de soirée. Allez, au revoir. Talk the talk if you can't walk the walk.